Le départ est imminent. Départ validé pour cette sixième épreuve. Le prix du Portereau, une course de haie pour Poulain Peluche de 3 ans, 3500 mètres à parcourir. Avec tout de suite problème résolu qui va sauter en tête la première haie. Avec en deuxième position Bora Bora Emery. On est en troisième position avec Calamité de l'Orme. On vient en quatrième position maintenant avec Naspada. Alors qu'un peu plus loin, nous avons l'animation avec encore un peu plus loin Dwinabad. Et on est en dernière position avec Ludovico du Matan. Ils ont abordé le petit bois avec toujours problème résolu qui a l'avantage. Avec en deuxième position, nous avons Bora Bora Emery, accompagné encore par Calamité de l'Orme. On est en quatrième position avec Dwinabad. On est en cinquième position avec l'animation. On vient ensuite côté corde avec Corrida des Obus. On est en avant-dernière position maintenant avec numéro 1 Naspada. Et on ferme la marche avec le favori Ludovico du Matan. Un peloton en file indienne pour sortir une première fois du petit bois, avec toujours problème résolu qui emmène ce peloton et qui montre le chemin maintenant à Bora Bora Emery en troisième position. La casaque jaune de Calamité de l'Orme. On est en quatrième position avec le numéro 2 Dwinabad, alors qu'on est à son extérieur avec l'animation quelque peu brillant. Corrida des Obus vient ensuite avec encore un peu plus loin Naspada le numéro 1 et en dernière position Ludovico du Matan. Ils vont aller sauter la haie de la ligne droite des tribunes qui sera dans un tour la dernière avec au commandement toujours problème résolu. En deuxième position côté corde, Bora Bora Emery, accompagné également à son extérieur par l'animation. En quatrième position, nous avons toujours le numéro 6, Calamity de l'Orme avec Corrida des Obus qui s'est rapproché côté corde, en compagnie encore à l'extérieur du numéro 2, Dwinabad. On est encore un peu plus loin, quelques longueurs derrière avec le numéro 1, Naspada, et toujours en position de serre-file le numéro 3, Ludovico du Matan. Pour aborder le tournant après les tribunes, pas de changement en tête, à savoir problème résolu. Avec en deuxième position, Bora Bora Emery également sur la même ligne, l'animation. En quatrième position, le numéro 6, Calamity de l'Orme. On se rapproche maintenant à l'extérieur en cinquième position avec Dwinabad, le numéro 2. Alors que Corrida des Obus est en sixième position, juste devant Naspada, avec encore Ludovico du Matan. À l'Aulnay Violette, alors qu'il leur reste 1600 mètres à parcourir, avec l'animation maintenant qui relaie au commandement, problème résolu, qui est côté corde. En troisième position, nous avons toujours la casaque bleue de Bora Bora Emery, Calamité de l'Orme est en quatrième position, la casaque jaune accompagnée à son extérieur par le numéro 2, Dwinabad. On se rapproche maintenant avec le numéro 7, Corrida des Obus, et on est toujours à l'arrière-garde avec le numéro 1, Naspada, et avec également Ludovico du Matan, le numéro 3. Il leur reste 1200 mètres à parcourir. On reprend l'avantage maintenant avec problème résolu. On est toujours en deuxième position maintenant avec l'animation. On est bien placé le long de la corde avec Bora Bora Emery. On est en quatrième position en épaisseur avec Dwinabad, le numéro 2. Alors que le long de la corde, nous avons toujours Calamity de l'Orme. Devant encore un peu plus loin, Naspada qui tente maintenant de progresser le long de la corde. Et également, on tente de venir à l'extérieur avec Ludovico du Matan. On se retrouve ainsi en dernière position avec Corrida des Obus. À la clairière, avec toujours le numéro 8, problème résolu. Avec en deuxième position le numéro 5, Bora Bora Emery. On est en troisième position maintenant avec Naspada. Alors qu'on est à l'arrière-garde maintenant avec Calamité de l'Orme, avec également Corrida des Obus. Ils sortent du petit bois avec toujours problème résolu qui a l'avantage. On est venu le long de la corde avec le numéro 1 Naspada. On est en troisième position avec Bora Bora Emery, le numéro 5. Alors qu'à l'extérieur, on se rapproche maintenant avec le numéro 2, Dwinabad. Ils vont aller sauter la dernière haie. On a toujours l'avantage avec le numéro 8, problème résolu. Mais on vient l'attaquer maintenant en pleine piste avec Naspada. On vient également le coup de long de la corde avec Dwinabad. Et on vient complètement à l'extérieur maintenant avec Ludovic du Matan. Il leur reste environ 150 mètres à parcourir avec toujours côté corde numéro 8, problème résolu. Naspada est en deuxième position avec encore un peu plus loin le numéro 2 Dwinabad. Et on va le faire de bout en bout avec le numéro 8, problème résolu. La deuxième place pour l'As Naspada, la troisième place pour le numéro 2 Dwinabad devant Ludovico du Matan et à l'extérieur pour Corrida des Obus.